Bonjour Fabien. Ouais, très ça bien. va? Très bien. Je vais te présenter Miguel qui est inspecteur après-vente à la région PACA. Bonjour Miguel, ça va? Ouais, impeccable. Écoute, je suis encore au milieu des machines. Super. Qu'est-ce que vous allez m'apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, on va t'apprendre le rebuild. Le rebuild? Oui. Qu'est-ce que c'est le rebuild? Ah, Miguel va t'expliquer. Alors, le rebuild, c'est un programme de rénovation de matériel. Le rebuild consiste à démonter entièrement la machine. Entièrement. Entièrement. Entièrement, mettre le châssis à nu et de remplacer ou de reconditionner tous les composants de la machine. Attends, explique. Alors, donc, ma machine, j'ai ma machine, elle marche plus ou moins bien. Et là, vous arrivez, vous dites, on vous propose de rénover votre machine. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc, on va la déconstruire et on va la reconstruire à nouveau. Oh là 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 là. On va mettre donc le châssis à nu, comme Miguel te l'a dit. Et on va reconstruire la machine en passant par différentes étapes de contrôle, de vérification de différents organes. Vous êtes des artistes? On est un peu des artistes. Hein? On s'occupe de la chaîne cinématique qui est... Attends, la quoi? La chaîne cinématique. Effectivement, la chaîne cinématique comprend tous les organes qui permettent de faire bouger la machine. Donc dans le rebuild, on démonte totalement la machine et ensuite on s'intéresse donc à la chaîne... Surtout à la chaîne cinématique. Je commence à comprendre. Continue, ça m'intéresse. Voilà. Donc après, en fonction du niveau du rebuild, d'accord, nous du allons, niveau de réparation, enfin de rénovation. De, hein, rénovation, de rénovation, nous allons attaquer d'autres compartiments que la chaîne cinématique. Je commence à comprendre, ça me plaît. Ensuite, la chaîne cinématique, on s'intéresse également à toute la partie hydraulique, châssis, toute la partie concernant la structure de la machine. Tout quoi, voilà. En fait. Tout. Voilà. On met tout à nu, tout. Et on vérifie, on contrôle et on reconstruit. Et là, vous avez des équipes, vous avez un savoir-faire. Tout à fait. Et tout ça en passant par toutes les étapes de reconstruction pour arriver donc à machine neuve. C'est, pour le client, le bénéfice, c'est quoi? Ça revient à 50% moins cher que le prix d'une machine neuve. Ah, d'accord. Lui redonner une machine neuve, mais pour la moitié du prix, en moyenne, c'est ça? En moyenne, voilà. En moyenne, c'est ça. Garantie en plus? Et garantie. La garantie peut aller jusqu'à 3 ans, 6 000 heures. Il y a un intérêt pour le client qui peut être financier, mais également le délai. Je ne connais pas beaucoup de marques capables de faire ça, parce qu'il n'y en a pas de toute façon. Il n'y en a pas. Il n'y a que vous, c'est simple. Donc pour le client, c'est financièrement, c'est bien, quoi. C'est un bon deal. Tout à fait, c'est très intéressant. Et puis on a d'autres solutions plus légères. Le CPT Light. La quoi? Le CPT Light. Miguel va t'expliquer ce que c'est. CPT Light. Alors en français, CPT Light. Light, c'est léger? Ouais, bah, c'est une rénovation légère. Hein. Voilà. Rénovation légère. Pour éviter une charge très importante au client. Là, j'ai beaucoup appris. Là. Julien, tu vois? Miguel, j'ai beaucoup appris parce que j'ai appris ce qu'était le rebuild. Le rebuild, c'est désosser totalement la machine jusqu'à, comment on appelle ça, le dernier morceau, c'est le châssis. Le châssis. On regarde si le châssis est bon. Le châssis ou les châssis. Si les châssis ou la structure. Châssis, la structure est bonne, on peut reconstruire. On reconstruit. Donc on reconstruit en se concentrant sur la chaîne cinématique, surtout. Ce qui fait avancer ou fait reculer, mais aussi le reste. L'hydraulique, la radio, la climatisation, enfin, voilà. Les vérins. Bon. Miguel, je suis content d'avoir fait ta connaissance. Merci beaucoup, j'espère qu'on se reverra bientôt. Moi je suis là pour un petit moment, donc il n'y a pas de problème. Julien, à très bientôt, je pense. Ouais. Bonne journée messieurs. Bonne journée. Merci beaucoup. Allez, ciao. Bye. Ciao.